Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy. Aujourd'hui dans ce tuto on va apprendre à franchir une marche en montée. Donc l'idée, si vous avez la possibilité, c'est de baisser légèrement votre selle avant de franchir la marche, d'avoir la vitesse qui mouline. Forcément vous êtes en montée donc vous allez mouliner, mais ça va le faire. Ensuite vous arrivez ici avec le plus d'élan possible. Pour ma part je suis pied droit en avant, donc je vais arriver ici, pédaler, je vais cabrer sur mon pied opposé, pied gauche, poser ma roue avant, hop, le plus tôt possible sur la passerelle et finir mon pédalage en faisant une extension. Donc là je suis en avant sur mon vélo et je vais faire une extension et pousser mon vélo le plus loin possible. Mes fesses vont presque être au niveau de ma roue arrière et essayer de pédaler le plus rapidement possible pour continuer. Pour cette technique, on va déjà s'entraîner sur le sol avec un petit bout de bois pour déjà comprendre comment ça va se passer l'extension. Pour ça, je vous conseille donc de prendre juste un petit bout de bois, vous allez le poser au sol. Vous allez déjà apprendre à lever la roue avant et lever la roue arrière. Le but, c'est de ne pas toucher ce bout de bois. Ça sera les bases de l'extension. J'arrive donc avec un petit peu d'élan. Je suis sur mon pied opposé, je cabre. Et là, je fais une extension et je pousse. Et je recontinue de pédaler. Pied opposé, je pose et je pousse. Donc l'idée c'est de connaître son pédalage et de jamais s'arrêter de pédaler, c'est là où vous allez être le plus performant. L'idée c'est d'arriver entre la première et la troisième. Si vous arrivez à poser votre roue avant plus loin, vous n'allez pas avoir le temps de faire votre extension et souvent ça va taper le pédalier, taper la roue arrière et vous allez être bloqué. Donc pensez bien, posez votre roue avant le plus tôt possible, comme ça vous allez avoir de la marge pour faire votre extension et bien pousser. Il ne faut pas faire l'extension et s'arrêter, il faut vraiment continuer derrière. Donc là je pédale, ma montée normale, donc là je prends de la vitesse, petit temps d'arrêt, et hop je pousse. Et là je continue de pédaler. Voilà, c'était un petit tuto très simple sur les marches en montée, j'espère que ça vous a plu. Il y a plein d'autres tutos sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Bon entraînement, bon ride, à la prochaine, ciao.